mélangez tout et n'importe quoi. Vous vous réveillez souvent et vous parlez et vous dites directement « Ah, j'ai faim !» à voix haute. Est-ce que vous le faites? Parce que apparemment, elle aime bien faire ça. Ou des fois, elle gueule, des fois, elle s'énerve. Elle se réveille « J'ai faim !» Dans tous les cas, bienvenue dans la survie. Donc, nous allons répéter le plan. Alors, j'aime beaucoup planifier tout ça. J'aime beaucoup en parler. Pourquoi? Bah, parce que bah, déjà, j'ai toujours bien aimé planifier les choses. Ça doit remonter sûrement au temps des MMORPG où on devait gérer les gens. Enfin, bref. On s'en fout. Surtout, c'est peut-être, c'est possiblement la dernière chose qu'on fait. C'est pour ça. Chut! Je suis en train de parler. Excuse-moi, on est en train de planifier. Donc, nous sommes aussi de la désolation. Notre plan est de passer par la mine. Et la mine, je crois que c'est où la mine, ou alors ça va directement aller à l'autoroute Vétuste. Je crois que ça va aller directement à l'autoroute, je me rappelle plus exactement, je confonds un peu des fois de temps en temps. Donc on va voir ça. Et cette zone-là risque d'être un petit problème, parce qu'elle est assez longue, elle n'est pas extrêmement protégée. Il y a des animaux aussi, parce que sinon ce serait pas drôle. Et mais je connais un endroit où il y a une grotte, donc on pourrait peut-être s'arrêter, surtout que nous avons le sac de couchage, qui est en bon état, ça va. Et bon, faudra récupérer un peu plus de bois, et normalement nous avons des torches aussi. Donc on va pouvoir faire du feu. En théorie, si nous avons un problème, nous allons pouvoir faire du feu. Donc, bon, bah voilà, c'est la bonne chose, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est la bonne chose. Donc je pense que si vraiment on doit s'arrêter, on sera ok pour se réchauffer, on va pas mourir de froid. Après, le chemin est assez long. On est quasiment full vie, c'est bien. Ça devrait passer. Une fois qu'on est sur l'autoroute, honnêtement, ça va être tranquille. L'autoroute est extrêmement simple à naviguer, il y a énormément de choses, énormément de bâtiments, on va passer notre temps à fouiller pendant pas mal de temps. Et on devrait trouver des choses intéressantes, j'espère, surtout des vêtements. La dernière fois on avait dit qu'on allait utiliser la fusée éclairante, déjà qu'on voit rien, j'ai pas envie d'utiliser une torche, on n'a pas de lampe, on n'a pas récupéré de lampe. Je pense que on va utiliser la torche. Enfin, la fusée éclairante, le flare. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, nous allons faire ça. C'est rare que je l'utilise. J'utilise ça quasiment jamais, en fait, dans mes runs, dans mes survies. Je les garde et après je les accumule, donc autant utiliser celle-là. Et surtout qu'on risque de trouver des loups sur le chemin, donc let's go. Nous sommes à 21 kg sur 30, très bien. Elle est en pleine forme, let's go. Allez, on y va, c'est parti. Voilà. Alors nous avons des trucs à récupérer. Et la corde. Alors attendez. Ok, ça marche. Équiper. Et hop là. Ça marche. Alors pourquoi j'aime pas utiliser les flares, c'est qu'ils font énormément de bruit aussi. Donc ça risque de m'énerver au bout d'un moment. Nous avons donc un boyau et une peau. Le boyau, il est pas séché. Donc du coup, vous voyez que nous avons un logo d'odeur, là. Donc les loups risquent de nous sentir de loin. On va voir. On va voir comment on gère ça. Mais bon, boyau, c'est utile. Et si jamais il y en a un qui nous course, on va essayer de prendre de la hauteur. S'il y en a jamais un qui nous course, on lui laissera le boyau et il mangera, comme ça il va nous ignorer. On va prendre de la hauteur, juste pour un peu voir le chemin. Ok, on va aller à la voiture qui est sur la route. À ma gauche. Je le vois pas. Pas besoin de rentrer dans la voiture. Si on le voit pas, il n'existe pas, ok? Il fait beaucoup de bruit. Ah, ça y est, je le vois. Je l'ai vu, il est sur la route. Ça marche. On va faire
Ok, il court un peu. Y a pas de problème. On va faire un peu sprint. Doucement. Sprint doucement. Comme ça, on garde toujours un peu une certaine distance. Il fait pas extrêmement froid, ce qui est une bonne chose. Alors, je crois que depuis la mise à jour, honnêtement, ils ont... Vous me direz si c'est moi ou c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté le bruit des animaux. Parce que là, on dirait vraiment qu'il est vraiment pile derrière, alors qu'il est loin. Alors qu'il est encore loin. C'est ça que je comprends pas. Donc c'est un peu dur de juger la distance. Là, on le voit à peine. Attendez, est-ce que là, il risque d'avoir des choses à récupérer? Et on est allé au mauvais endroit. Et on est allé au mauvais endroit. Il fallait que je monte, j'étais en train de parler. Tout va bien. Voilà. Tiens, mange les boyaux. Mange les boyaux. D'accord, ils s'en foutent complètement. Hop, 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 hop. Bah merde, on a perdu des boyaux pour rien. Ah bah c'est con. Ah la vache. Ah, ah, ah. Hop. Hop. Hop là. Bah mince alors. Maintenant on a froid. Il a eu un peu peur de la... On est allé là? On est pas allé là. Il a eu un peu peur du... Du flair. Ok, let's go. Ok, très bien. Le flair est bientôt... Ah, le vent, évidemment, le vent dans notre direction, parce que sinon c'est pas drôle. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est exactement ce que je voulais. C'est une tempête. Oui, c'est bon, on est au bon endroit. Je reconnais. Alors du coup, on va devoir faire attention à récupérer pas mal de bois. Oh mon dieu, je vois plus rien. Par là. Non, on a plus d'endurance, mince. Contre le mur. Ouais, on est bon. Ok, mine. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est la mine, c'est la mine. Ah bah, au final, ça s'est pas du tout passé. Comme je voulais. Honnêtement, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. On a perdu le boyau. Bon, c'est pas très 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 grave. Alors, on a perdu le boyau, on a utilisé toute la le flair. Donc on va devoir utiliser les torches. On en a 3, ce qui est ok. Hein, c'est pas énorme. Qu'est-ce que je vous dise? Let's go. Ouais, c'est parti. Donc on va allumer les torches les unes après les autres. Non. On va allumer les torches les unes après les autres. On va genre poser la première par terre quand elle est presque épuisée. Prendre la deuxième, etc. etc. Vous savez comment on fait. Alors le problème avec cette grotte, je crois qu'elle est un peu grande. Il y a un peu des passages un peu à droite, à gauche. J'ai envie de l'explorer parce que ça fait quand même... c'est des chances de récupérer pas mal de choses. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va trouver du charbon. Et le charbon, on va le réunir à l'entrée ou à la sortie. Ça dépend où on va. Ok, on passe par là. Très bien.
Ça c'est sympa. Ça c'est cool. T-shirt correct, très bien. Alors, deuxième torche. Alors, hop là. Très bien. Je sais pas si on se brûle. Je me rappelle plus si on se brûle, si on passe dessus. Je me rappelle plus. Je crois qu'on est à la sortie. Ah non, on n'est peut-être pas à la sortie. On va voir. Je voulais dire aussi, j'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires. J'ai vu les commentaires par rapport. Ah, on est lourd. Par rapport à la qualité de l'image, genre que c'était. C'était moins sombre et tout. Donc je suis content pour ça. Mais après, j'ai pas lu tout le reste. Là, on est bon. On est à combien? 30, 90. 30, 90. On va. Pierre. 2. Ok, je sais pas compter. Voilà. Je veux quand même garder le charbon. Ah oui, on m'a dit par rapport au charbon. On m'a dit que. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Je sais plus quand on me l'a dit et quand j'en ai parlé en tout. Enfin, si j'en ai parlé. Apparemment, on peut mettre maintenant le charbon directement dans le feu. Ce qui est un peu. On va devoir se bouger parce que la grotte est très grande quand même. Enfin, la mine. Ce qui est. Bah, je trouve ça bête, honnêtement. Ils auraient dû garder un peu le même système qu'avant. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, on pouvait mettre le charbon. Une fois que le feu avait commencé, quoi. Donc maintenant, en théorie, on pourrait commencer le feu avec le charbon même. Faudra tester. Après, les pourcentages doivent pas être très très gros. Le plus simple, le plus sûr, c'est de faire le feu avec, avec les petits bois. Mais ouais, non, c'est bête qu'il ait changé. Je vois pas pourquoi ils ont changé ça. Yes, ok. Donc on va... Il n'y a plus rien. On va faire ça. Alors nous avions ça. Voilà, très bien. La température est pas au top. Pas encore. On va voir si on peut pas durer. Si on peut pas laisser quelques minutes. Rester quelques minutes ici. On a récupéré un deuxième pied de biche. Ça c'était pas prévu. Ça nous rajoute un kilo. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Ouais, allez, on va faire ça. Le temps de se réchauffer un peu en fait. Oh, le temps se calme. Honnêtement, on n'a vraiment pas de peau avec le temps. C'est vraiment le mauvais moment pour partir. Et ça risque de nous poser problème. Ça risque vraiment de nous poser problème. Genre la prochaine zone, on va devoir la tracer en course. Parce que je sais même pas. Je sais même pas si on va pouvoir, par exemple, disons que bonus de chaleur 4.2, c'est pas énorme. Je crois pas qu'on va pouvoir genre se reposer dans une grotte avec, avec ça, et parce qu'il va falloir faire un feu très gros, un feu qui a, il y a beaucoup de chaleur. Ça va être un peu un problème. Honnêtement, ça va être un problème. On a 22 de charbon, ce qui est bien. On pourrait peut-être en poser là. Alors, attendez, la porte elle est là. On va en poser juste à côté. On va pas tout prendre parce que ça sert un peu à rien. On va en déposer 12. Voilà, très bien. Et ça on le gardera pour chez nous. Ça c'est pour dessiner hein, celui-là. Le charbon on en a 9 après pour le. Pour le feu. Est-ce qu'on on les garde ou pas? Est-ce qu'on les garde? On va en déposer. On va en déposer quelques-uns là. Voilà, on en garde 5, ça va. On a un peu baissé en poids. Tout ça pour dire que on attend que la chaleur remonte. Ouais, on va y aller. On va y aller. Allez, c'est parti. Oh, ça va être un calvaire, ça va être un calvaire. Oh mon dieu. Ok, on est au passage, on va passer par là. Oh mon dieu, il y a ça. On est à moins 32. On va passer par là, raccourci.
Raccourci dangereux, mais raccourci. Oh, je crois qu'il y a peut-être un... Il y a une boîte. Peut-être un sous-sol. Je sais plus. Non, peut-être pas là. C'est possible qu'il y ait une maison abandonnée avec un sous-sol. Ok, il y a une carcasse ici. Ok, on est dans la grotte que je disais, mais il fait moins 24. On va pas pouvoir rester, on va avancer. Là on est une carcasse. Bien sûr, évidemment, le vent souffle du mauvais côté. Parce que sinon ce serait pas drôle. Oh oh oh, c'est là. J'ai pas regardé s'il y avait des loups ou quoi que ce soit. Je sais pas, j'espère qu'il n'y en avait pas. On est au sous-sol. Sous-sol, il fait chaud. Alors, le sous-sol, est-ce qu'on peut... On peut dormir ici. Intéressant. Vous voyez pas grand chose, on est d'accord. Let's go, on va utiliser la torche. Alors attendez, à côté de la porte, parce que des fois il y a des cadavres ou des trucs comme ça. Chaque fois je crois que c'est des boyaux, les fils qui dépassent. Escalier. Ah, peut-être là, on va peut-être avoir quelque chose. Non, évidemment que non, sinon ce serait trop... Waouh, super. Ok, je pense qu'on est bon. Ça marche, on va s'asseoir là. On va s'asseoir là, on a 20% de torche, ce qui est bien, ça va. On va pouvoir se réchauffer, on va pouvoir dormir en fait ici. On va pouvoir dormir quelques heures. Alors, on a ça. Alors, je veux pas l'utiliser maintenant, pourquoi? Parce que il nous faudra un ouvre-boîte pour pouvoir récupérer le... la boîte, le compartiment, le... Bref. Ah, les mots, hein, les mots. La conserve, voilà, pour récupérer la conserve, donc on va pas l'ouvrir, on va pas la forcer, sinon on va la détruire. Les chaussettes, on va les mettre. Ça va pour une grosse tempête, ça va, on n'est pas vraiment encore tout mouillé. Je pense qu'on va tout simplement boire les tisanes, ça va nous permettre de récupérer... Ah, peut-être qu'on a des massettes, non? Non, on n'a pas de massettes, non, rien du tout. Je pensais avoir trouvé des massettes à un moment ou à un autre. Je pense qu'on va boire la tisane. Elle est à combien là? Elle est à Sado. Ouais. Et dormir genre 2 heures. 1 heure, 2 heures, ça dépend. Je pense qu'on va faire ça. Faites voir, 1 heure, c'est 75. Ouais, on va dormir 2 heures. On va boire une deuxième. C'est parti. On va dormir 2 heures et après on continue notre périple. Ok. Ah bah, il fait jour. Ah, elle vient de là, la lumière. Donc on est... Voilà, il fait jour, c'est bien. On peut voir, c'est cool. On aurait pu directement dormir, en fait. J'aurais pu éviter d'utiliser une allumette. Vous voyez, là, j'ai voulu allumer directement pour vous, les gens. Mais on a gaspillé une allumette, honnêtement. C'est pas grave. Bon. On est à fond. Le vent souffle toujours. Ouais. Ben, on va devoir se débrouiller. C'est parti. On va devoir se débrouiller.
Allez, 1, 2, 3, let's go. Et on va essayer de tracer, on va tracer. Ok, maintenant on voit un peu mieux déjà, c'est déjà ça. J'ai pas regardé nos vêtements, mais nos vêtements doivent être secs. Ok, là nous avons une carcasse. Ah non, elle s'est bloquée, la conne. Ah! Ah mon dieu! Voilà, on passe par là. Très bien. On est vraiment pas chanceux à niveau Blizzard. Ça souffle vraiment sur le mauvais côté. Ok, on y est presque. Ouh, ça c'est pour nous. On a bien fait de poser du charbon. Et charbon, les pierres et tout ça. Comme ça, on a un peu de marge par rapport à notre poids. Boum, boum, boum. On y arrive. Fou. Ok, on va prendre ça. On est presque sauvés. On est honnêtement presque sauvé. Voiture. Une batterie. Oh, ça doit peser lourd. Première batterie qu'on trouve depuis la nouvelle mise à jour. 15 kilos, on est à 42. Ouh, cha. Je sais pas si on va pouvoir la prendre. Non. Let's go. Alors là, normalement, en bas, il y a peut-être des bois à couper. On verra ça plus tard. De toute façon, on n'a pas de scie, on n'a rien pour le moment. Ah, pas le temps. On va continuer sur la route, parce qu'avec ce blizzard, j'ai peur de me perdre. Même si on connaît la map, hein, il suffit d'un moment d'inattention. Ouais. On va attendre que l'endurance remonte par contre, parce que j'ai un peu peur de tomber nez à nez avec une bestiole. Donc on a une batterie sur la voiture, mais 15 kilos, ouais, on va pas pouvoir la prendre. Ah, là il devrait avoir des maisons. Je crois. Ouais, non, on se casse. Y a pas de... Non, on se casse, on se casse. Ah, c'est une erreur. Y a plein de champignons, par contre. On va passer comme ça. Y a plein de champignons, ça, il faudra s'en rappeler. Faudra aller les récupérer. On reviendra ici de toute façon. J'ai peur de la gelure. Là, nos vêtements doivent être tout mouillés. Je suis quasiment sûr que nos vêtements sont mouillés à 100%. Et après, ils vont commencer à geler. Et là, ça va être un problème. C'est pour ça que j'essaye de me protéger le plus possible du vent. Eh ben. On devrait y arriver. Nous, on veut la station service avec
Avec toutes les maisons autour. Ah, vous connaissez maintenant. C'est vraiment la zone, une des zones les plus faciles du jeu. Pour survivre. Alors, vous me direz, je sais pas si je couperai. Peut-être qu'on fera un peu des épisodes accélérés pour ça. Parce qu'on l'a fait tellement de fois. Genre fouiller les maisons et tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Normalement, si vous suivez les lignes électriques, vous êtes bon. Ça aussi, c'est un bon moyen de se repérer. Je crois que dans toutes les zones, si vous voyez des lignes électriques et vous les suivez, vous arriverez plus ou moins toujours à des habitations. Donc voilà, c'est une sécurité. Si vous connaissez pas trop la zone. Protéger, non plus maintenant. C'est loin. Ok, ça y est, on y arrive. Ville côtière. Alors attendez, il nous faut un peu de stamina, un peu d'endurance. Parce que... Go. Ok, pourquoi? Bah parce qu'il y a des animaux, et oui. Ouf, la vache. Alors, fais voir un peu l'état des vêtements. Ah non, ça va, humidité 91%. Non, c'est pas... Ça va. On est resté bien protégé du vent, donc du coup, c'est... Ça nous a... Oui, non, ça nous a vraiment bien aidé. Elle est un peu fatiguée, donc on va pouvoir dormir ici. Ok, ça c'est bien, on va pouvoir faire du feu, de l'eau... Donc faudra se rappeler, on a la batterie. La batterie, comment on la détruit? Parce que maintenant, du coup, moi, je sais pas comment on fait ça, c'est nouveau. Je ne l'ai jamais fait encore. Donc la batterie, il suffit de la ramener à un atelier, c'est ça? Je vois pas. Des balles. Morceaux de plomb. Ah oui, c'est morceaux de plomb qu'on veut, c'est ça? Cartouche pour fusil. Bon, je vais pas perdre du temps, mais je regarderai ça plus tard, peut-être, si je trouve pas. On a la poudre. Donc ça, il faut ça pour faire de la poudre. Et après, on a des balles, donc il faut morceau de plomb. Et pour récupérer le morceau de plomb, il faut, du coup, la batterie, c'est ça? Non, je dois être aveugle. Je dois être aveugle. C'est pas grave, on regardera ça plus tard. Ça m'arrive d'être aveugle, très souvent. Trop souvent même. On va récupérer l'eau ici. Tout prendre, très bien. Un livre. Alors on a un petit problème, c'est que il est à peu près midi, elle est fatiguée. Honnêtement, elle sera épuisée avant la fin de la nuit. On va essayer de faire durer un peu le... Enfin, de la faire durer, mais c'est vrai que ça va être un peu un problème. Oui, voilà, quand je parle qu'elle est fatiguée. Il nous faudrait vraiment, par contre, un ouvre-boîte, ce serait cool. Ah, poudre de soufre, produit chimique parfois utilisé comme... Ah, pesticide peut servir à fabriquer des munitions. Donc ça, on le garde. 0,10, ça va, c'est pas lourd. J'aime bien le fait aussi qu'il rajoute des objets, mais on peut toujours transporter la même chose, quoi. Ça, c'est pour nous. On va directement déposer des objets parce que sinon on va être trop lourd. Alors attendez. Ceci, elle va se fatiguer encore plus vite. Alors bam. Bam. Yes, ok. 27, ok, c'est bon. Quoique, on peut peut-être déposer autre chose. Ah, j'ai vu une lampe. Ah oui, on a tous les livres. Les livres, on va les poser. Ça sert vraiment à rien. Enfin, ça sert... Non, oui, ça sert, évidemment, mais... Ah, pour nous... Pour nous, en un truc, comme j'ai dit, je le dis tout le temps, ça sert pas à grand-chose, parce que c'est rare qu'on ait du temps à perdre à lire, en fait, tout simplement. Et vu qu'au début, on fait attention à notre nourriture...
Du coup, on est toujours plus ou moins affamé. Ok, c'est un backer. On est toujours plus ou moins affamé, donc ça sert un peu à rien pour nous. Bon, j'ai tout fait là. Ça c'est fini. Yes, ok. Alors, on va faire dans l'ordre. Très bien. Donc, lampe, ça c'est bien. Ok, on regarde s'il n'y a pas des hameçons. Ah, c'est pas un hameçon. Non, c'est pas un hameçon. Ça c'est de l'eau non potable. On va la laisser là, parce que pourquoi pas. Ça c'est très très bien. Ok. Y a rien. Oups, non. Ah, peut-être que on n'avait pas besoin du charbon. On n'avait pas besoin peut-être d'établi en fait pour la batterie. C'est pour ça que je la trouvais pas. Poudre, balle, cartouche, collée, hameçon, matériaux de pêche, sac de couchage, pointe de flèche. Non, ou peut-être qu'elle y est pas du tout en fait. Il faut juste un objet parce que j'ai vu qu'il y avait écrit démolir ou un truc comme ça. Et c'était rouge. J'ai pas vraiment eu le temps. On n'a pas vraiment eu le temps de regarder. Hein, mais vu qu'on était dans le froid et tout ça. Mais peut-être qu'en fait on a besoin de rien. Il faut juste la casser. Et ça passe. On verra ça. On ira la récupérer évidemment. On ira vraiment la récupérer un jour. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Notre lit. Ça va être notre lit pendant un petit moment. Oh, lucky day. Très bien. On va pouvoir tenir, je dirais. Une nuit, deux nuits. Je crois qu'on va devoir dormir. Ouais, on va devoir dormir quand même pas mal de temps maintenant. Pour récupérer la vie. Parce que je voudrais rester à plus de 50% de vie quasiment tout le temps. Si on peut. Donc je pense qu'on va devoir dormir assez longtemps la première nuit. Genre 9h peut-être. Et après... Et après, on essaiera de se rationner un peu. Le temps de trouver un système pour récupérer de la nourriture. On peut toujours aller pêcher. C'est vrai qu'on est dans une zone de pêche. Je pense qu'on va faire ça. On va peut-être aller pêcher. On va jeter les billets, ça sert à rien. On va les mettre là. Ah oui, on a ça. Ça. Celui-là. Très bien. Alors là, ça, on va le mettre comme ça. C'est l'heure de décorer. La corde. Ça, c'est pour crafter. Enfin, c'est crafter. Je me comprends. Ça, on les pose aussi. C'est pour réparer. Ok, très bien. On est à 17. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tac, tac, tac. La lampe pour la garde pour le moment. On pourrait mettre tout le pétrole. Je suis curieux. Est-ce qu'on peut transférer le pétrole de la lampe directement pour faire une torche? Je crois pas qu'on puisse faire ça. Hein. Je crois pas qu'on puisse faire ça. Combustible pour lampe 0,13. Ouais, non, 0,13. Donc ça prend que... Ouais, ça prend ça en fait. Parce que ça aurait été bien aussi de pouvoir tous transférer genre dans la lampe. Et si vraiment on veut faire une torche, ben on utilise la lampe directement. Enfin, on utilise le fuel de la lampe. Comme ça, ça évite d'avoir plein de choses dans l'inventaire en fait. Différentes petites bouteilles, différents trucs et tout ça. Parce que j'aime pas trop quand c'est comme ça. Ok, on a tout. Oh. Bon bah, ça valait le coup.
Ok, nous sommes bons. Il nous faudrait une scie à métaux aussi pour récupérer du métal, du coup. Et comme ça, on essaye de revenir assez vite à la forge. À la zone de désolation, à la forge. Pour pouvoir crafter couteaux, hachettes et têtes de flèche aussi. Parce que les têtes de flèche, on va en avoir besoin. Il faudrait qu'on récupère l'arc, le couteau et la hachette très vite. Il faudrait vraiment faire ça très vite. Comme ça on peut avancer en fait. Parce que tant qu'on fait pas ça, on est un peu. Oui, voilà quoi. On peut pas vraiment avancer en fait dans le. Dans les zones. Très bien. Yes, très bien. Ça, faut le déposer parce qu'il faut que ça se sèche. Voilà, très bien. Nous sommes à 16. Ça, c'est bien, bien, bien. Encore une fois. Yes, let's go. Fais voir pour manger. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça, ça, ça. Ouais, ça va. Ça va. On va pouvoir passer une bonne nuit. Et après, le lendemain, je crois qu'on fera... On va sortir, on va aller vadrouiller un peu. Je crois que le lendemain, on fera du feu pour faire de l'eau. Ah, ce serait bien d'avoir une loupe. On n'a pas de loupe. Comme ça, on peut faire du feu facilement. Très bien. Évidemment, pas de batterie. Évidemment, faut que ça soit la voiture qui soit le plus éloigné hein, qui est la batterie. Hein. Évidemment, parce que sinon, ce serait pas drôle. Sinon, ça serait vraiment pas drôle. On n'a pas de loup, rien. Pour le moment. Faire quand même attention. On a vraiment pas de chance. On va aller dans une maison, puisque là on commence à avoir froid, pardon. Ouh. Enfin, ça c'est bien, mais ça donne très soif. Hein, donc... Toujours avoir de l'eau à côté. Où ça? J'ai pas vu. Encore une fois, avec l'audio, j'ai l'impression qu'il est très proche. Mais en fait, non, pas vraiment. On va passer par ce côté-là. Ah, c'est embêtant parce qu'il y avait les maisons de ce côté. Ah, c'est chier. Ok, on va faire ça. Ah, il est là. Je viens de le voir. Non, on peut pas. Ok, on est bon. Par contre, ça c'est dangereux ce que je viens de faire. Parce que du coup, on est plus ou moins piégé. Ça va être un problème de ressortir. Il va falloir faire très 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 attention. Il va falloir faire très très attention quand on ressort. Parce qu'il y a une... Vous avez vu, on a passé une sorte de petite colline, en fait, pour arriver à la maison. Et du coup, il pourrait être complètement derrière. Il va falloir faire un petit détour. C'est-à-dire, genre, passer par le côté pour éviter de tomber... De faire directement ligne droite. J'aime pas du tout faire ça. J'aime vraiment pas passer comme ça.
J'appréhende. J'appréhende énormément la sortie là. Ça va être un peu un problème. Surtout qu'il y a des débris autour. Je voudrais bien les regarder. Enfin, vérifier un peu tout ça. Mais avec un loup qui traîne, c'est un peu embêtant. Ah oui, il faut commencer à récupérer le tissu aussi. C'est vrai que j'en ai pas pris encore. Faut récupérer le tissu parce qu'on va sûrement avoir pas mal de vêtements. Enfin, j'espère, évidemment. S'il faut, on va rien trouver, mais... on va sûrement trouver quelques vêtements intéressants. Et on va devoir les réparer. Ah, j'avais dit que je voulais faire de l'eau, mais en fait, c'est vrai qu'on a plein de maisons. Donc au final, on va pas en faire. Parce que y a pas un truc de premier secours. Non. On va pas en faire parce qu'on va en trouver plein. Mais ouais, sinon il faut du tissu parce que avec les vêtements on va devoir les rafistoler. Et voilà. Mais on va pas le faire maintenant. On va pas le faire maintenant parce que pour le moment on a des vêtements qui sont bof. Bon après c'est vrai qu'ils sont abîmés mais je voudrais vraiment pouvoir trouver d'autres vêtements. On va prendre ça parce que pour l'instant elles sont secs les chaussures. Sèches. Ouais non, ça serait, honnêtement ça serait du gâchis de réparer ces vêtements là. Peut-être le pull en laine. Non c'est une chemise à carreaux, c'est même pas un pull. C'est même pas un pull en laine. Chaussettes en laine. En laine peut-être ça à la limite les réparer. Mais le reste ça serait plus ou moins du gâchis de le faire honnêtement. Ouais ça serait gâchis. Alors. Oh, putain, c'est une boîte aux lettres, oh la vache. J'ai eu peur d'une boîte aux lettres. C'est par là. Ah, il est là, il est là. Quoi ce bruit? On aurait dit quelque chose au galop. Oh là là, non. Pas de ce côté le vent. Non, il y en a un là. Oh, mon Dieu. Oh, ils sont en train de me repousser, quoi. C'est une catastrophe. Et on a froid. Et elle est fatiguée aussi. Ok, il y a un cerf là. J'ai peur qu'on... Je crois qu'on est obligé de dormir là-bas, dans la maison qu'on a visitée. J'ai pas trop envie de tenter le coup du loup là. En fait, le plus chiant c'est le vent là. Le vent qui souffle. Dans bien sûr la mauvaise direction et du coup il nous repousse donc on a une vitesse de toute pourrie
Et du coup, pour esquiver le loup, c'est un peu la merde. Genre, le vent est là-bas. Le vent, enfin, souffle dans notre face comme ça. J'ai cru que c'était un... Ah, mon dieu, non! On est bloqué là. C'est bien ce que je pensais. Et elle est complètement épuisée. Ah ouais, non. Non, j'ai bien fait de prendre à manger avec nous. J'ai vraiment bien fait. En plus, elle est à 50%. Non, 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 on va rester là, on va dormir là. On va dormir là. C'est, on peut pousser notre chance, hein, mais oui, ça peut aussi très mal finir. Et là, on meurt direct. Hein. Là, y a pas à chercher, là, c'est la mort. Donc, du coup... On va devoir dormir. On va devoir dormir et on va se réveiller la nuit. C'est ça le problème. J'avais vraiment pas envie de ça. J'avais vraiment pas envie de ça. Est-ce qu'on peut faire une torche? Comme ça on en a deux. Est-ce qu'on a assez? Est-ce que la lampe qu'on a, elle a quand même pas mal de fuel. Ouais, on va faire une torche. Je sais pas avec quoi tu tapes, mais on dirait que t'as une hache. Donc si t'es en train de me cacher le fait que t'as une hache, c'est quand même embêtant. On va détruire ça là. Voilà, très bien. Donc nous avons deux torches, nous avons ça, et on va mettre ça là-dedans. Voilà, il y a quasiment rien, mais au moins. Voilà, 0,23, très bien. On a ça, deux torches, on a des... Oui, non, ça va. On a du stuff, on a de l'équipement quand même. Ça, on va recycler pour faire des fagotins. Comme ça, on est tout prêt. Ouais, on commence vraiment à fatiguer là. Très bien, très bien. Nous avons deux choses pour faire de l'eau. Donc on trouve le sac de couchage sur nous, ce qui est bien si jamais on reste bloqué. Et elle est un peu fatiguée. J'essaye de faire passer du temps, mais à chaque fois plus le temps passe, vu qu'on est en train de mourir de faim, vu qu'on est affamé plutôt, on perd un peu de vie à chaque fois, doucement. Mais bon, j'essaye de passer le plus de temps possible, comme ça on va essayer de se réveiller la journée, quoi. Parce que là, on va se réveiller pendant la nuit. On va complètement se réveiller pendant la nuit. Par contre, il fera meilleur temps. Là, le vent s'est arrêté. Et la nuit, la plupart du temps... Enfin, surtout au début, j'ai remarqué, moi, que c'est quand même plus chaud la nuit que la journée. Après, bon, c'est peut-être un peu aléatoire aussi. Mais on va dire que j'ai eu plus de bonnes nuits qu'autre chose. On va pouvoir se permettre de manger ça là. Voilà, 600. On va prendre ça. Ah, très bien. Le beef jerky, je sais pas vraiment si je vais tenter. Comme j'ai dit, on peut tomber malade, donc c'est un problème. Après, je crois qu'on a les bons médicaments, hein, encore une fois. Chaque fois, j'hésite. Analgésique, antibiotique. On a les antibiotiques. Je crois que c'est les antibiotiques qu'il faut. Donc, à la limite, c'est pas grave, en théorie. C'est pas extrêmement grave. 800, ok, c'est parti. On va dormir. Bah voilà, ça s'est bien passé. On est arrivé à bon port et tout ça. C'est cool. On va pouvoir rester là un petit moment et le fait de tourner un peu, récupérer des nouveaux objets et tout ça. Donc ouais, ça s'est bien passé. C'est cool. À la prochaine.